Bonsoir, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, Bisika Bozali Kolanda Biso. Bonsoir, na télévision na Biso Yesunde Makambo TV. Bonsoir, Lelo Tozali ko parler na butu ya Lelo. Na Oyo Etali enseignement na Biso sur le royaume. Alors, dorénavant, Tozali ko kene ko bonde la Nzambe. Toza kokumi sansambe na biso liboso na nyonso Seigneur Dieu de gloire to pesio merci pona oyo opesi biso pona ngolu na yo pona ko partager parole na yo na butu ya lelo komi moni saliso na kati ya bana na yo tozali ko imposer silence na monde ya diable parce que vous avez freiné connaissance, il y a parole na yo, to sengi et ensemble, connaissance na yo, et pénétré na kati ya âme esprit na biso, afin que to produire ba fruit d'une de la repentance. Pendant ces moments très difficiles et critiques, pendant ces moments que l'Église, le véritable Église, a privé la nourriture na ye ou ye ko prépare ye de bi qu'une fin sous contrôle et à Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Topesi mbote na ndeko nyonso partout bisika bozali boza kolanda biso ezali wabino humble serviteur, pasteur, révérend pasteur Léon Kakouti. Toye na boutou ya lelo, tozali ko partager sur un sujet très pertinent, oui, zali important, et surtout pour na bana na Nzambe, et oyo ezali ko lakisa, pour na oyetali la nouvelle naissance, to. Bonzambe. Tozali kolobela awa bonzambe parce que bonzambe eza eloko mosusu par rapport na message tozali koka juste pona ko fongola message na biso na butu ya lelo tozali kokende ko cite bien-aimé quelques versets tozwa verset ya liboso et ce verset ezali verset clé. Oyo verset wana ezali kolobela presque na oyo etali sujet na biso donc le royaume de Dieu. Pourquoi le royaume de Dieu bien aimé parce que mingi mateya oyo tozali kolanda eza komema connaissance ya mokili aussi longtemps église ebongi ezala préparé na oyo etali royaume ya Nzambe que moto azala sauvé pe akota na kati ya royaume ya Nzambe. C'est ce qui est important parce que durant tout notre enseignement okomona ki royaume ya Nzambe na niveau tozali kokene na yango et ko répondre na ba question to ba entendement ya moto nyonso o azana se ya moyi. Moutou nyonso o azana se a moui, au travers ya enseignement oyo a ko comprendre nyonso que voilà nini ko kiko le kanakati ya bon moui na ye pourquoi azali na se a moui et pourquoi il faut royaume ya Nzambe. Verset na biso ya liboso tozali ko kene na yango ezali na livre ya Matthieu. Et ça, verset très expérimenté, na bandeko ebele, et surtout, na ba oyo, bazali familialisé, na kati ya eloko, na kati ya œuvre ya Nzambe. Matthieu au chapitre 6. Texte moko, vraiment, ce qui te tangi yango, calmement, toya ko découvrir que, texte oyo, ezali komema biso na voix par laquelle
moto nyonso oza ko uta mopagano po akoma chrétien et bongi a maîtriser domaine oyo et na ko maîtriser texte oyo ya Matthieu chapitre 6 et ko permettre chrétien oyo to nouvelle ne oyo aiba ko se situer ko yeba nini oyo akoki ko sala na nini akoki ko sala te nde ekozala premier test na biso texte otokotanga mais dorénavant ya kotanga texte na biso wana tokokende komeka ko expliquer les mots parce que awa aussi il s'agit ya problème ya ba mots quand il y a des mots les gens bato bazali ko jouer avec les mots seulement donc yango tokokende nano Nabamo, pourquoi? Pour tout découvrir, sujet Nabiso, à ce qui concerne le royaume. Tout d'abord, royaume et Zalinine, Yangwana. Donc, ce qui te lobby, royaume, mon royaume et Zali Koturé, origine na Yango, Nakatu, ya na latin, Otobengi, régime. Donc, régime, Oyo, ezali ko signifie seulement gouvernement. Eza koloba gouvernement, et c'est pour la raison pour laquelle bazali ko benga yango gouvernement, et en d'autres mots, babengi yango, tango to bengi yango gouvernement, et tokomona que dans chaque gouvernement tozui image ya gouvernement na se ya moi gouvernement tokomona ezali eza constitué na ba ministère de gouvernement yango mtu ezali kokamba donc tango tozali kolobela royaume donc il faut tota na kati ya mitu na biso tozali kolobela gouvernement. Donc, naza kolobela gouvernement, ya se ya moite, parce que Christ alobaki, mon royaume n'est pas de ce monde. Royaume na ye, ezali ya se ya mokilite. Parce que ce qui royaume na ye, ezala kaya se ya mokili, Christ pendant que, baya ki poba kangaye, akuka ki ko ordonne, ko établi royaume na ye, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc ici nous avons affaire à un autre royaume que Oyo livre à Matthieu a comme ma biso na kati ya pensée mosusu o eko permettre biso que to meka ko découvrir réalité et royaume wana to gouvernement wana. Raison pour laquelle tomoni na kati ya démarche ya Christ tomonaki que Christ a bandi kokende ko sala gouvernement na ye oyo akoki kotambola na yango alors na kati ya gouvernement na ye abandaki ko sala c'est là où il a choisi ba disciple na ye pour ba accompagner ye na kati ya tâche ya gouvernement pour ba ye ba komema ko comme un message y a gouvernement. Alors, tolobi que nakati ya gouvernement, to nakati ya royaume, ezala kana ba norme oyo ezali ko régir royaume wana. To ba loi oyo ezali ko tambusa royaume wana. Alors ba loi wana ebongi ezala inculqué to etangisama na bato bayeba ba loi ya royaume oyo ezali ndenge nini moto oyo ebongi aya po akota na kati ya royaume wana akokota ndenge nini alors soki azali banda po akota ndenge nini soki azali na kati ya royaume wana akovivre ndenge nini ba devoir na ye ba obligation na ye et puis
oyo ezali aussi ma bénéfice na ye oyo azana yango na kati ya royaume wana ezali ndenge nini. Voilà bien aimé dans le Seigneur, esika oyo ne ekoya eza mama ya na kati ya liloba na Nzambe oyo ekoya kosala ke ebele na bato bisika nyonso bango bakozala na problème ya ko comprendre tozo to uti wapi tozo kende wapi et soki tozo kokota na kati ya royaume po tokota na kati ya royaume qu'est-ce qu'il faut faire tokosala eloko nini. Voilà muke alors lokola royaume nyonso ezalaka na ba loi mais royaume oyo tomonike ezalaki na oyo babengi évangile to o ezali mibeko to o eza kotambola to o ezali mode de vie. Voilà évangile ezali mode de vie ya royaume oyo ekotambola na évangile na mode de vie wana. Ce qui est important ekotambola na mode de vie wana. Alléluia. Alors évangile, ce qui est okéi na yango na origine, le mot évangile vient du grec engelio, engeli, lion, qui signifie la bonne nouvelle. C'est-à-dire que l'évangile c'est la bonne nouvelle. Attention. L'évangile c'est la bonne nouvelle na mutu oyo aza ko recevoir yango. Donc na kati ya royaume oyo tozali na évangile nde ekotambusa royaume oyo. Et évangile oyo ebongi ezala une bonne nouvelle. Puisque évangile oyo ekoya ko traiter vraiment et quoi qu'on traite ma problème nyonso oyo ekoki kozala na kati ya royaume pe kopesa yango solution. C'est-à-dire que depuis que royaume oyo eza créé, royaume oyo mode de vie na yango, ba problème na yango nyonso pe eza na ba solution na yango. Donc dès que oza na kati ya royaume oyo problème nyonso za nango na kati ya royaume lokolo koti na kati eza na solution na yango. Wonderful. Et beautiful. Donc, on comprend que c'est vraiment très intéressant. Yakoyeba comment naza kokota et soki nazali kokota na kati ya royaume oyo. Voilà. De voir avantage nangai, bénéfice nangai, et kozala nengenin. Très important, nakati, tozali kokin. Donc, awa tolobeli, premièrement, royaume, to expliquer ezali nin, royaume ezali gouvernement, oyo ezali kokambama, na mutu oyo tobengi roi. Ninga zali kokamba, mais aza kokamba yango na oyo tobengi mibeko. Mais na kati ya mibeko oyo zali kokamba, tobengi yango évangile. Mais évangile oyo ya royaume ezali une bonne nouvelle. Pourquoi une bonne nouvelle? Parce que na kati ya royaume oyo makambo nyonso muto aza kokota eza na solution. Eza na problème mon côté sans solution. Parce que loko nyonso eza na kati ya royaume oyo eza déjà na solution. Bien aimé dans le Seigneur. Toboy tokene mbangu mbangu na makambo susu, mais ebongi ke peuple ya Nzambe eba na ko comprendre que royaume oyo ezali moko ya ba royaume ezali incomparable na ba royaume mosusu. Mais wapi problème e outi? Wapi problème e outi? Lokola royaume oyo ezali na évangile et évangile wana ezali une bonne nouvelle,
Maintenant, il y a aussi un groupe de gens na kati ya monde mususu pona ko empêcher ko tia entrave afin que bana na nzambe bakoka kokota na kati ya royaume oyo te. Mutu nyoso aza ko aspirer kokota na kati ya royaume oyo bazali ko empêcher parce que eza royaume moko eza éternel. Donc mutu oyo ako bénéficier pona kokota na kati na yango ako vivre éternellement. C'est ce qui est intéressant. It's very interesting. Alléluia. Et ça vraiment intéressant parce que exact moko ya ba royaume et si ka mutu vina ye ko sukate mais exact moko ya ba royaume et si ka via moto tango a konti na kati ya royaume yango et si li vina ye exact azu yango ya éternité. Donc bolamu ya éternité na kati ya bomoi na ye. Beautiful. This wonderful. Alléluia. Alors, ezana ba message. Tango ba comprendre ningwana, ezana ba royaume mususu oyo eye juste pemene ya royaume oyo pona ko empêcher batu ba kota na kati ya royaume oyo éternel afin que ba kota na kati ya ba royaume oyo ya bango eza temporaire. Mais ba sali photocopie na yango bango pena évangile na bango. Donc évangile oyo kotambusa ba royaume oyo yango pe ezali yango komona toza ko précipité. Juste nous lisons quelques évangiles. Ce qui royaume oyo tozali kolobela awa le véritable royaume ezali na évangile du sali. C'est-à-dire que eza aussi na ba évangile mususu o ezali ko permettre te ezali ko ya ko aveugler oyo eye ko tia blocage barrière embouteillage liboso ya peuple ya Nzambe afin que peuple ya Nzambe ba ko ka ko accéder te na évangile to na royaume na bango yango komona. Il y a l'évangile de la grâce, l'évangile des miracles, évangile social, évangile de nourriture, évangile de guérison, évangile de foi, de la foi plutôt. Bien-aimé dans le Seigneur, tous ces évangiles, ezali kote yama, mais na kati kati donc ba évangile ezali ebele. Évangile ezali ebele par rapport na oyoyo ko ki ko comprendre que c'est l'évangile selon Luc, Marc, Matthieu ou bien Jean. Non, nous ne parlons pas yaba témoin oculaire, mais nous parlons de l'évangile du royaume. Et dans l'entretemps, quelque part aussi, il y a des royaumes opposés. Oyo eza comme ma évangile, il y a aveuglement. L'évangile terrestre. L'évangile qui n'est pas ordonné, l'évangile qui ne peut jamais sauver. L'évangile, par exemple, des guérisons. Cet évangile ne sauve jamais. Ici, nous avons besoin qu'un enfant qui a accepté le Seigneur, Jésus, comme Seigneur et Sauveur de sa vie, qu'il soit sauvé et non guéri. Parce qu'une personne sauvée est guérie automatiquement. Mais une personne guérie n'est pas automatiquement sauvée. C'est là où il y a un problème. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où il y a un problème. Nous prêchons un évangile qui est éternel. Et cet évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, maintenant pour commencer, et nous lisons dans le livre de Matthieu, c'est là que nous allons passer un peu, beaucoup de temps, pour voir que nous dit la parole de Dieu. Je vais lire dans Matthieu chapitre 6,
Bon, je vais commencer par le premier verset. Naza vraiment considéré dans chapitre 6 oyo. Et ça juste pour pesa biso forme pour étayer biso. Verset 1. Il y a Matthieu. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vie. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans le ciel. Voilà, ici, il y a un problème de justice. C'est une exhortation. Qu'il faut tout cela par tous les moyens. Parce que, c'est comme si nous appliquons la justice. Mais aussi longtemps, devant Dieu, ezali une hypocrisie, oyomoto, à quoi comprendre-t-il? Lorsque donc tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans le riz, afin d'être glorifié par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite, afin que ton monde s'efface en secret et que ton Père qui voit dans le secret te les rendra. C'est pourquoi, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de riz pour être vus des hommes. Je vous dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait que de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tout le siècle, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout de fait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes,
mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Bien-aimés, c'est ici que voilà comment l'évangile du royaume ezali ko pe sa forme et comment tokoki ko appliquer. Ils ont parlé de la prière et comment l'attitude dans la prière, comment devons-nous nous comporter. Voilà l'évangile du royaume. Eza ko pe sa forme na chrétien na onyon sa koki ko sale. Et maintenant au verset 25, j'ai beaucoup aimé ici parce que ko pe sa forme même pour na mutoyo aza ko aspire ko ya kokota na royaume to kokota na bokonzi ya Nzambe. Koya koyamba Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, a ko s'attendre na nini, a ko bénéficier na nini, et puis a ko sala nini. C'est à partir du verset 25, et bandi ko expliquer comment est-ce que le chrétien peut se comporter pour a bénéficier, a ebape nini azali ko bénéficier na kati ya royaume oyo. 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Voilà. Inquiétude yabatu ebele. Yango omonike évangile social. Bah, oh, bazali kote yango. Ce sont bien et belles. Les apôtres de l'ennemi, ce sont bien et belles les apôtres de Satan qui prêchent cet évangile. Ce sont des faux serviteurs déguisés en anges de lumière. Vous croyez que Bazakoya poète Basungabino au travers Yamakamo Oyo Bazakoya Kosenga Bambo, ce qui est tellement matériel. Mais vous avez oublié quelque chose. Il vient pour aveugler. Bon ensemble. Le verset 25 est clair. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Papa oyo na katia royaume oyo ayebi bien que ozala okozala kana besoin yemto sala kinzoto
avec un zote bongi Elia poezo makas. C'est un acquis. Eza enseignement to eza commande te o to kokiko koyebisayete. Parce que avant de créer l'homme, Dieu a créé les animaux, les arbres, le fruit, l'eau, biloko nyonso wana, puisque ayebaki que ngai na yo to kozala na besoin na kati ya bonzoto boye sur cette terre. Nanzoto oyo ebongi e vivre ebongi Elia ebongi emela pe ebongi ezipama. Hallelujah. Yango alobi na 25. Asi a traita ki problème ya kolia, a traita ki problème ya komela. Eza nzambe muto a traita ki. Et y a une entreprise mon côté, Tobilanga mon côté, et l'équipe bilanga onzambe à Sala. Bien aimé, otali bonté, grandeur y a Nzambe. Ce qui otali kakozi ba fruit, lokola ba manga, lokola ba orange, lokola, ce sont ezali déjà prêts. Bien préparés avant que ngai na yo tozala. Dose ya sikre eza na kati, basi balambi yango ba ambale yango. Ezali prepoete, ngai na yo to consommer. Alors bien, ne vous inquiétez pas pour ça. Parce que na kati ya plan na ye, na royaume, après ça ki yango, bato, babi komi tu nisa na yango te. Le verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonne et il amasse rien de grenier et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ce qui a collé sa bandeke ballon à côté basa à kailo côté habi importance ya yo mwana ezali le ki kutu makasi. Bien-aimé, baza kwa vegle biso na ba évangile ebele o eza na liete ke ezwa place na kati ya vie ya bato. Ebongi olongwa na kati évangile oyo e komisio pauvre ya kosangana te. E appauvrir yo sur tout le plan finance et appauvrir yo. Et appauvrir yo na intelligence et appauvrir yo na spiritualité. Puis ezali komema bon moi na yo na kati enfer cet évangile. Verset 27. Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Alors balobi qui de vous, c'est-à-dire mutu nyonso ozalaka roi ozalaka nani nani oyo akoki kobakisa même ata une heure na vie na ye azalite. Mais il y a quelqu'un oyo akoki kosala yango quand tu es dans le royaume, le Seigneur Jésus. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? C'est une question comme pour nanini bozali ko s'inquiéter. Bien-aimé, bavandi si batuna kati soi-disant les églises. Babanina kokabola babilamba. Baza abi pourquoi boza ko s'inquiéter pour na bilamba ya kolata ya pamba? Cet évangile social. Alléluia. Considérez comment croisent les lits de champ. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un des. Botala na matiti, botala na kati. Donc, na lati sa matiti, même Salomon na kati a gloire, na ye. Atika kola ta bongote. Mais bien aimé dans le Seigneur, qui parle ce Dieu? Si Dieu revête ainsi l'arbre de champ
qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four. Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens d'épée de foi? Koni Mayamouke. 31. Avaliko fortifié. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous et que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtis. Alléluia. Est-ce que dans un nakatia prière moko, au qui consiste, au méditer sur verset 31, sur verset 31, il y a chapitre 6 dans Matthieu. Voilà maloba yanzab. 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste, c'est que vous en avez besoin. Nzambe ayebi ba besoin na biso. C'est donc ezana bilo comme sous les airs kosengate. Papa ayebi ke bana baliaka, bana ba melaka, bana ebongi balata. Ça c'est un acquis dans les royaumes. Père alobi ke kosengate na yango te. Parce que votre Père sait que vous en avez besoin. Papa ayebi ke tozana yango besoin. Alléluia. Mais ce que je vous demande, et le kwaza kosenga biso. Oye bongete, ma yele na biso, ma kasi na biso, tout ça là par tous les moyens. Sur le verset 33. Cherchez premièrement les royaumes et la justice des dieux. Voilà notre thème, les royaumes. Tout ce parcourir à Watomoni, bah évangile. Ne pas mususu, bah là bah évangile y a social. L'évangile de la terre, l'évangile du miracle pour Bota, pour Ozomusala, pour voyager, pour Salabonaboye. Toujours, il fait référence. Yassé à Moï. Mais Bible et Zakoloba, qui cherche ces choses, ce sont des païens. Et ces pasteurs, ce sont des païens. Ceux qui prêchent cet évangile, ce sont des païens. Malgré que Yosako considéré que ce sont des. La Bible les appelle les païens. Les pasteurs païens. Le chrétien païen. Ceux qui cherchent l'argent, ceux qui cherchent les habits, ceux qui cherchent la maison, ceux qui cherchent les voyages, ceux qui cherchent, ce sont des païens qui le recherchent. Ainsi dit Jésus. Mais pour les enfants de Dieu, votre Père céleste, c'est que vous en avez besoin. Alléluia. 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 Le verset 34 dit, 33 à la fin, et toutes ces choses, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bah, fortifiez les sous-sous. 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, ton parcourir, introduction, il y a un message Nabiso sur les royaumes.
si le royaume, tu présentais forme un royaume, ba inquiétude ya batu. Tango baza koya ko poussana na royaume, ba yeba ke voilà garantie ezanine, assurance ezanine. Oye baza koya ko kota na ngona kati ya royaume. Yango tolobiete ba évangile ya koloba pesa po ete nzamba pambola yo nzambe azali magicien te po aba na komituplie. Il y a des choses automatiquement nzambe asi apesa epai na bana na ye. C'est seulement que tozonga en ordre koyeba kotambola kotika ba grimace ebele na kati ya liloba na nzambe. Et au comprendre raison pour laquelle Nzambe abengela kio. Voilà Ezaki message premier partie na biso sur le royaume. Yo mutokolanda yango okosala large diffusion na bande konyoso oyo bakoki kolanda yo na sima. Vraiment pour la large diffusion. Pour être peuple en Zambé. Et ben à copambo la main. Alléluia. Alléluia. Pour être libota en Zambé. Et pas molama. Yango tokei ko bondela. Tokei ko kokumisa mokonzi. Na nyonso asali na kati na butu ya lelo. Tokei ko bondela. Seigneur Dieu de gloire, topesio merci. Parce que moment oyo olobakete église et ko enseigner et ko zala enseigner par le Saint-Esprit. Afin que véritable église est à la préparer pour la rencontre na mobali ya solo. Boutou ya lelo na kati na loboko na yo. Papa, tu ka ete. Ba ebanso bakola na message oyo. Tu ka ete papa. Ole kana kotambola na bango. Kofongola bango miso. Baekai ekweya. Enfin que bokonzi na nzambe emoni sama na kati na bango. Na komo na Yesu. Amen. Merci. Bien aimé dans le Seigneur. Nzamba eba na kopambola. Tokutani ezali wabino. Humble serviteur. Le pasteur Léon Kakuji, Tokutani, prochainement, na deuxième partie sur le royaume de Dieu. Bye.